Devant nous se dressent les portes de Mulsentir. Vous venez d'être éviscéré, paralysé, attaqué par des esprits et forcé de marcher sur des lieux et des lieux. Comment vous sentez-vous? Votre résistance est impressionnante. J'espère qu'il vous reste encore un peu d'énergie pour une dernière tâche, avant un repos bien mérité. Je vous ai amené ici pour rencontrer Lyena. Avec un peu de chance, elle pourra vous expliquer ce qui vous est arrivé au tertre. Lyena est une associée de ma mère. C'est ce que j'ai déduit, du moins. Je ne l'ai jamais rencontrée et je n'en ai jamais entendu parler avant d'être chargée de vous mener jusqu'à elle. Qui que soit Lyena, nous découvrirons bientôt ce qu'elle sait. Cela dit, j'ai envoyé deux de mes serviteurs à sa rencontre et ils ne sont jamais revenus. Des homoncules, des créatures intelligentes créées par magie. Ils me ressemblent un peu, mais ils sont moins intelligents et moins beaux. Ils ressemblent à Kaji. Mais ils sont beaucoup moins évolués. Je ne serais pas étonnée d'apprendre qu'ils se sont perdus. J'espère que Lyena pourra vous répondre. Ma mère m'a commandé de vous retrouver, mais elle ne m'a rien dit de plus. Elle m'a sommé de vous trouver, sans préciser pourquoi. Elle est la directrice de mon académie, et bien trop absorbée par ses tâches pour se perdre en explications. Elle est plutôt occupée pour le moment. L'Académie a connu quelques troubles ces derniers temps. Les magiciens rouges ont parfois leurs petits différends. Elle me contactera dès qu'elle le pourra. Bien, je crois que nous devrions nous remettre en quête de Lyena. Je crois qu'il vaut mieux que j'évite les tertres infestés d'esprits. Les murmures des morts ne sont pas faits pour les oreilles des vivants. Continuons. Autre chose? Croyez-moi. Un tertre envahi par les esprits peut être source de bien des événements inexplicables. Ce ne sont que des esprits qui s'amusent à nos dépens. Je n'en sais pas plus que vous à ce sujet. Ces robes sont la preuve de mon rang et de mon affiliation aux magiciens rouges. Or, les gens du cru n'ont que peu de respect envers les miens. Tant que nous serons ici, je préfère ne pas trop afficher mes robes rouges. Laissez-moi un instant pour me changer. Bien, 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 bien. Et notre cher golem qui vient de décéder. Du coup, je vais devoir te récupérer. Voilà. Et il y aura un tout petit peu de stuff et de boutique à faire. Alors, nous nous retrouvons donc à la porte de Mulsentir. Qui ressemble beaucoup, et moi ça me fait penser à la porte de Baladur. Alors, il y a les Michel là, on va pas leur parler, ça sert à rien. Ah. Dites-moi, vous n'aurez pas vu une armée d'esprits en colère par hasard, pardon? Je regarde généralement la conversation de cette manière, mais entre les chamans locaux, une armée d'esprits, est-ce que c'est courant dans ce pays? Uniquement qu'on ne gagne pas et qu'on s'est dans un fossé. J'en saurais plus, en vérité, j'aurais pas la moindre idée. Les étrangers sont pas les bienvenus dans ce pays, j'essaie autant que possible de rester. Vous êtes un marchand? Allez, un petit coup de bluff. Oh yeah, allez, petit bluff. Alors, qu'est-ce que je peux... Ah bah écoutez, vous savez quoi, je vais... Oh, ça peut peut-être aller vite, en vrai. Ça peut peut-être aller vite. Qu'est-ce que je peux vendre? Arbalète légère. Elle a qu'un bâton, mais... Ouais, c'est rare, hein, les arbalètes. Ça, j'aimerais tellement les vendre parce que ça me... Ça vaut si cher, mais... Oh là là, là 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 là. Bon, ça sert à rien. Je vais essayer d'aller un peu vite. Flèche et carreau, on va mettre les carreaux là. Tac. Ça, faut, si quelqu'un a une idée de comment on les utilise, je veux bien parce que impossible de trouver une solution correcte. Les potions de guérison suprême, je vais lui laisser les trois. La sacoche, c'est bon. C'est surtout oui. Moi, j'ai du merdier. Gourdin, identifié. Ah bah oui, j'ai que 1000 de thunes. Et du coup, j'ai. Ah bah non, j'en ai plus 1000 de thunes, j'ai 26000 de thunes. Ça. Attends, c'est quoi ça? C'est un pavois. C'est des boucliers. Bon bah c'est inutile pour moi. Et la cuirasse, c'est pas pour moi. Ben voilà, avec 76 000, je vais pouvoir acheter, j'espère, des potions de guérison suprême. Let's go. Allez hop. Rapidité, savoir. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que je peux acheter des trucs un peu vénères? Parce qu'en vrai là, j'ai juste des liens de roublard. C'est nul. Oh, c'est nul. Et il me faudrait surtout... ça, je voulais garder. Ça, par contre, cette dague, je vais l'enlever. J'aimerais une vraie épée.
Une épée courte plus 4. Oui. Épée longue. Ça fait combien ça déjà? 1 des 8, 19, 20 x 2. Et là ça fait 1 des 4, 19, 20 x 2. Oui, c'est bien mieux. C'est bien, bien mieux. Ah, il n'y a pas d'autre. Ah, il n'y a pas d'autre. Albarde, non, grande hache. Je vais prendre l'épée longue en vrai. Hein. Hop, épée longue. Paf. Ah, c'est déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Un mètre de volonté inébranlable. Oh. Oh. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. J'ai quoi comme collier? Moi, j'ai un truc pour la chance. Oui, bon. En vrai, c'est mignon 5 minutes, mais j'ai quand même pensé à me stuffer un peu mieux, moi. Harpon, ça me sert plus à rien. Armure, qu'est-ce que c'est, ça? Voile de léopard. Oh, oh. 2 et plus 6. Ouais. Et là, c'est... 4 et 4. Oui, bon. Ah, c'est quand même mieux, ça. C'est quand même beaucoup mieux. Puis, oui. Ah oui, oui, si, si, c'est beaucoup mieux. L'arc, je n'en vois pas l'utilité. L'épée longue, on lui dit au revoir. L'autre épée longue, on lui dit au revoir. Ça, je le garde, ça, je le garde. Le nom de liberté de mouvement. Pourquoi j'ai encore... D'accord. Elle est là. Venez par ici. Ah, là, si, elle a quelques trucs. Je vais garder ça, je vais garder ça. Ça, ça sert à rien. Putain, je suis déjà à 100 000 balles. Du coup, ça, on lui dit au revoir. Ça, je vais me les équiper. Cette armure-là. Armure de peau. Oui, pas ouf, pas ouf. Hein. Je peux pas l'équiper. Et ça, c'est notre armure. Peau d'ombre. Résistance à la magie 24. C'est une robe, ça. Enfin, je sais pas, non? Oui. Ah, elle peut l'équiper. Ah, bah oui. Oh! Ah, c'est bien, bien mieux. Ah, oui, c'est bien, bien mieux. Et du coup, elle a. Moi, ouais, je crois qu'elle doit avoir un petit bonus. Je vérifie. Ah, oui, elle a bouclier d'ombre, déjà. C'est pas mal. Bonus, constitution d'armure, ça va. Oui, oui, ah, oui, oui, ça va beaucoup mieux, tiens. Oui. Et moi, je pense que c'est passé tout bon pour moi. Parfait, parfait, parfait. Bon, je vous ai mis toute la phase de marchandage. J'en ai encore une petite à l'intérieur. Mais c'est pas mal. J'aime beaucoup ça. J'avais pas eu tant de chance que ça la dernière fois. Alors, oula, okay, oula, attendez. Le plan, voilà. Alors, bazar. Le théâtre, très bien, et c'est tout. Bon, bah, on va déjà aller au bazar. Berserker. Alors, qui c'est qu'on peut avoir? Marchand. D'accord. Est-ce que j'ai. Ah, ah, toi. Ah, des fournitures? Ah. Montre-moi ce que t'as avant, plutôt. Alors, je vais te prendre toutes tes potions. Voilà, parce que le prochain combat va être très complexe pour moi. Tac. Et tac. Et j'en donnais une à Saphir. Ok, j'ai toutes les potions. Là, c'est bon. Je pense qu'il a... Ah, il a un plus grand choix, mais je pense que j'ai fait le meilleur choix pour le moment. Saphir. Alors, attends, Saphir, elle a pas de... Elle a pas de casque. Elle a pas de cap. Cap de l'hiver. Résistance au froid, oui. En casque, elle peut rien se mettre. Et au pied, elle peut rien se mettre. Et ben, c'est très vite réglé cette histoire. Ouais, bon, ben voilà. Alors, c'est là où il va falloir faire attention. Parce que une fois que je serai entré dans ce théâtre, il y a un petit combat qui va être un peu plus compliqué. Et quand je dis un peu plus compliqué, il n'y a aucune vanne. Et il fait jour. Du coup, on va sauvegarder. Et je vais, comme d'hab, me mettre
des petits bonus. Alors. Je vais Ah, mais j'ai pas mon invocation d'épée. Ah, attends, ça sert à quoi? Oui, c'est l'altération plus 1 tous les 4 niveaux du lanceur. Alors, par contre, il me faut l'invocation épée de. Ah oui, bah, grimoire, voilà. Il me faut l'invocation de l'épée. Ça, ça va être important. Elle est où? Épée de Mordenkainen. Ah, voilà. Ça. Alors, on invoque l'épée. Ici. Endurance. Pour moi. Ruse. Ici. Et ici. Splendeur. Ici. Et ici. Et pour finir. Ah, mais elle a déjà endurance. Et pour finir, bonus d'attaque. Voilà, vous allez comprendre très rapidement pourquoi j'ai fait tout ça. C'est bon, elle a fait tous ses sorts? Bien sûr. Presque. Voilà. Oui. Et ben c'est parfait. Du coup, on y va. Safia, la fille de Nefris, ici, bien sûr. J'aurais me douter que vous seul auriez pu créer ces homonculus. Ah, mais que faites-vous? Que vous faites ces fiches? J'ai intercepté vos créations. Et qui êtes-vous? Bon, échec, des menaces, bref. En gros, là, c'est bagarre et bagarre. Donc là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que Safia reste en vie. Sauf que c'est extrêmement compliqué. Voilà. Le but c'est que Safia elle reste en vie, sauf que Safia, voilà. Ça se passe un peu mieux que dans mes souvenirs, là bizarrement. Pour une raison que j'ignore. En même temps, j'ai pris la max de malus aussi. Tu m'étonnes. Et donc c'est lui qu'il faut attaquer au final. Voilà, et donc là, hop, attaquer lui. Ah oui, mais il y a une goule là. Hop, parfait, alors. Oui, il faut que j'attaque lui. Je ne sais pas ce qu'il a comme sort. Et puis, oh bah, je vais décéder. Ma magie va alors, cette nuisance. Tac, tac, tac. Alors, faut que j'attende qu'il ait sa magie. Qui s'arrête. Sa magie de défense. Donc, c'est là le plus compliqué. C'est pas ce que je voulais faire, Safia. Donc, ouais, c'est vraiment ça le plus long à attendre. Ouais, bon là, je suis en train de mourir, en fait. C'est pour ça que j'ai plein de potions. Quand je vous disais que c'était long, et que c'était compliqué, bah je suis mort, voilà. Donc là, déjà, j'ai très envie de recommencer. Il a toujours sa petite magie nulle là. Et c'est très très énervant. Vogue, 112. Ah, oh, j'aurais dû faire ça, tiens. Et là, nuée de météores. Lieu. Tac. Et là, ça devrait passer. Et eux, normalement, c'est fini. Ah, voilà, c'est ça que je veux. Bon, eux, ils sont agonisants. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. Oh, jet de concentration réussi. Et je n'ai plus... Vos désirs sont des ordres. Je n'ai actuellement plus rien là. J'ai juste à prier. Bien sûr.
Là je sais plus quoi faire là actuellement. J'ai mon perso. Vous voyez comment ce combat est extrêmement compliqué. Mais là je vous le dis, je vais perdre en fait. Parce que je n'ai plus rien d'autre en fait. C'est tout. Voilà, et donc je vais charger et espérer que ça se passe mieux. Alors, je dois attendre que lui, il ait plus son bouclier de mort. Donc, du coup, moi, je vais là-bas. Moi, je vais là-bas et puis Safia se débrouille. Voilà. Ah, bah voilà, si. C'est parfait, ça. Ensuite, Safia, toi. Ma chère Safia. Sur lui, du coup. On a brûlé. Je surveille quand même mon... Voilà, c'est bien. Oh, c'est bien, ça se passe bien mieux, là. Ok. Ok, là, c'est comment? Là, ça va à peu près, je gère. Ah, par contre, là, je me suis pris un charmé. Mince. Ok, tempête de froid, voilà. Que je fasse attention. Ah, ok. Et tant que je suis charmé, en fait, je peux aller me faire voir. Ok. Donc, lui est mort. Donc, toi, maintenant. Ah, projectile magique. Pour le moment, ça va. Ouh là là, faut que je m'en aille. Ok. Toi, ah super. Hop là, pas mal. Et on va mettre. On va y aller à fond dans les sorts. Histoire que moi je retourne dans mon non-hébétement. Ouch. Oh non, et sa fille est morte. Et moi je suis. Moi je peux rien faire. Ça partait très très bien. Bon bah là, dans la seconde où je ne suis plus... Ah, oui. Non mais c'est pas mal ce qui se passe. C'est très intéressant ce qui se passe. Je peux le faire. Hop, voilà. À la seconde où en fait j'allais reprendre mon contrôle. Alors, vas-y. Ah, j'ai pris tous les malus du monde et je vais quand même y arriver. Ah, super, bon. Maintenant, c'est lui. Maintenant, c'est lui qui va être... Oh, ça passe. Ok. Ça passe. J'ai énormément de malus. Oula, le jeu, merci. Allez. Ça passe. Ouais, il y a pas mal de critiques qui passent. Mais... j'ai mes potions, normalement. J'ai mes potions qui sont quelque part... Je vais les mettre ici. On sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais si je tombe sur une mauvaise luck. Mais là, c'est pas mal. Allez. Tout sur... je mets tout sur mon héros. J'ai bien fait d'avoir changé mon arme. Ok. Allez. Ouais. Oh là, il résiste, lui. Ok, par contre, il va falloir que je boive maintenant. Hop là, une potion. Impec. Et là, normalement, ça passe. Yes, ça passe mieux. Je te tente une charge. Ça touche. Ça se passe bien mieux. Cette petite technique est la bonne, je pense. Mais là, vraiment, si j'arrive, c'est que j'ai pas mal de chance. Ça passe bien. Elle va revenir à la vie, mais elle aura l'XP. Et voilà.
Bon, bah finalement, troisième essai, et c'est passé. Pas mal, pas mal. En regardant en théâtre, je n'ai encore jamais vu une entrée aussi réussie. Liena m'avait prévenu de votre arrivée, mais il s'en est bien gardé de me dire qu'il va faire des magiciens rouges. Ses acolytes ont suivi Liena dans les coulisses. Ah, vite! Combien de temps? Il y a quelques minutes à peine, 3 ou 4 magiciens. Elle possède un secret, une porte d'ombre qui mène à un reflet du voile. Ouais. Elle s'enfuit par cette porte d'ombre, j'en suis sûr, mais je crains fort que ce soit insuffisant pour rater le magicien rouge. Prenez cette pierre, très bien. Hein, pour ouvrir les portes. D'où venaient les magiciens? Ah, bien sûr. Très bien, journal mis à jour. Il faut aller voir le miroir. Très bien, bah très bien. Je prends les trucs, je prends tout. Comme quoi, c'était assez compliqué. Ce combat était moins compliqué quand je l'avais fait, vu que j'avais c'était une autre méthode que j'avais utilisée. Mais là, ah oui, et là je. Alors. Je peux pas sortir, c'est ça le problème en fait. Dès que vous aurez entré ici, le jeu vous dit non, mec, moi je veux pas. Moi je ne veux pas. J'ai récupéré énormément de bordel. Je peux me mettre. Ah non, je peux me mettre de bouclier. Petit bâton plus 1, c'est pour toi. Toi, t'as quoi? Bâton plus 3, ouais, oui. Presque pareil. Bouclier pierre d'ombre, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça ce sera à vendre. Pas pour moi. Et. Oui. Robe de magicien rouge. Oh, bah. Attends, c'est quoi la diff? Concentration. Ouh, ok. Concentration plus 8, bonus plus 3. Ah bah oui, mais non, c'est... Ah bah non, mais c'est moins bien du coup. Bah du coup, remets ta robe, en fait. Remets ta robe, c'est beaucoup mieux. On va, hop là, établir le campement, parce que j'aimerais quand même que bah ça se passe bien. Et du coup, j'en suis dans mon XP, j'en suis... Venez par ici. J'en suis à peu près bien. Influence 18 neutre. Ah, j'avais pas vu ça, moi. Très bien. Oui. Très, très bien. Bon, on a fait le plus compliqué, selon moi, pour le moment. Maintenant, je crois qu'il y a des ennemis qui se trouvent à droite, qui, eux, sont un poil dur. Eux, ils sont un tout petit poil dur. Là, il n'y avait rien. C'est de ce côté-là. Ah, voilà. Oula, la parole d'aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Expliquez-moi ce qui se passe. Ah, échec. Bon, d'accord. Bon, mon intimidation est nulle. Hein. Ça, c'est pas possible autrement. Alors, voilà, c'est ici. Là, vous voyez, les gnolls. Il y en a 3. Il y en a 3. Ah, il me semblait qu'il y en avait 4. Donc, ouais, là, c'est la partie un tout petit poil complexe. Un tout petit poil complexe. Hop là là là. À reprendre et bagarre en fait. Et oh, je suis là, je veux la bagarre. Voilà. J'aimerais bien qu'elle fasse des sorts en fait. Elle fera aucun sort. Parfait. Tac. Et tac. Hop là, petit sort. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, vous savez, eux ils ont un peu plus de PV. Le cast est un poil long, mais ça le fait. Voilà. Et là, voilà, ça va quand même déjà pas mal servir. Et voilà, vous voyez, mon personnage bah, est mort. Parce que c'est vraiment, vraiment dur. Ces trois-là, ils sont vraiment, vraiment compliqués. J'ai juste... tempête de glace. Ah ouais, c'est vraiment... Oh là là. Oh là 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 là, oui, donc... Ah oui, oui, donc... ouais, les trois-là, ils sont vraiment, vraiment plus compliqués. Comme quoi, bah, faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Allez. Allez. Ah, mais je suis bête, en fait. Attendez.
pourquoi Voilà. Hop. Et hop. Alors, mais je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas, ça a dû me sortir de la tête encore. Et l'épée, juste là. Voilà, là je suis un peu plus préparé. Hop. Et le casque de l'épée. Et c'est tout bon. Ah mais l'épée je l'ai là aussi. Non mais tout, mais il va falloir que je revoie mes sorts. Et ensuite tac, oui. Tac. Bonjour, je cherche la bagarre. Voilà. Toi. Hop, ici. Et hop là. Un ennemi à la fois. Voilà, c'est pas mal. Hop, un petit sort comme ceci. Ok. Ok. Voilà, et un. Non. Alors. Hop. Et toi, non, mec, il est. Tac. Hop. Toi. Hop. Non. Allez. Hop. Et. Hop. Voilà. Faut vraiment que je fasse attention. C'est vraiment ces trois ennemis-là qui sont énervants. Ok, et une dernière tempête, et pour lui là-bas, j'essaierai de lui garder mes gros sorts. Boum! Ça passe, ok. Je peux me charger de lui avec la boule de feu. Hop, ici, hop, potion. Voilà. Et là, j'espère qu'elle sera assez intelligente pour savoir ce qu'il faut faire. Ah bah, ça y est, je tapais meilleur critique. Je tapais meilleur critique, ça y est. Comment ça se fait que je tapais meilleur... Ah bah oui, parce qu'il est occupé avec... il a son focus sur... sur Safia. Voilà. Bon bah, c'était eux, les ennemis les plus durs. Et au final... ah, et on a cassé un truc. Aïe. Aïe. Mais il y a de la thune. Il y a un max de thune. Normalement, c'est les seuls combats. Et je pense que ça devrait être bon. Oui, exactement, c'est les seuls combats. Atelier de fabrication de masques, atelier de forgeron et atelier d'alchimie. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois qu'il n'y a rien à prendre en plus dans les trucs. Non, c'est tout bon. Et voilà, et il y a ça qui apparaît. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on est pas mal pour cette... petite session, c'est une toute petite session histoire de commencer l'année tranquillement, mais voilà, on a avancé dans la tête, on arrive dans les trucs un petit peu plus durs, pour le moment ça se fait, mais toujours la question de savoir comment Safia fonctionne avec cette saloperie de sacoche de l'enchanteur. En tout cas, je vous remercie de votre attention pour cette session de Neverwinter Nights 2. Je vous invite à vous abonner pour suivre les vidéos et l'aventure du jeu, bien sûr. De me suivre évidemment sur tous les réseaux qui s'affichent à l'écran, que ce soit Twitter, Twitch, Blue Sky, Threads, voilà, plein partout, même Instagram, pourquoi pas, on sait jamais. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.